désolé pour cette déception. Qu'est-ce que vous pouvez en parler sur les fans de Kasugi? Ça fait très mal de perdre un tel match, un match qu'on a bien préparé pendant la semaine. Et après, ça fait quand même 4 matchs qu'on n'a pas gagné. Une grosse déception, pourtant on avait bien commencé la saison avec une première place les 3 premières journées. Et depuis 4 matchs, on n'arrive pas à décoller au classement et n'arrive pas à gagner. C'est ça ma très grande déception. Et qu'est-ce que vous pouvez en parler concernant l'arbitrage? Oh, je n'aime pas parler des arbitres. Je n'aime pas parler des arbitres. Normalement, un arbitre, il est là pour départager les deux équipes, être impartial. Maintenant, quand l'arbitre a un penchant, j'espère que nous aussi, on aura un autre jour où l'arbitre sera de notre côté. Mais je n'aime pas parler de l'arbitrage. Il a fait son travail, il a sa conscience. Sa conscience pourra lui dire un mot un de ces jours. Donc voilà. Monsieur Bienvenu, vous avez jugé bon de ne pas faire jouer Christian Malipangu dans le premier mi-temps. Qu'est-ce qui a causé à ce que le monsieur soit sur le bench? Bon, Malipangu, il sort de l'équipe nationale. Il est arrivé que jeudi. Et pendant 2 semaines, on a préparé ce match-là. J'ai trouvé Hakim Amissi mieux par rapport à ce qu'il avait proposé aux entraînements. Donc il a commencé le match. C'est un choix tactique, c'est comme ça. C'est le foot. Il n'y a pas un joueur attitré titulaire chez moi. Donc il y a la concurrence, tout le monde peut jouer, tout le monde peut être remplaçant. Donc voilà.